On n'a qu'une vie, il faut la vivre intensément. Je suis infirmière anesthésiste, donc je travaille au bloc opératoire de l'hôpital de Fécamp. Je fais de la plongée, donc ce côté secouriste, je l'ai et dans mon travail pour mes collègues, dans la plongée pour les plongeurs. Dans le milieu de la SNSM, être une femme, c'est peut-être pas toujours gagné. Il y avait effectivement des réticences, quitte à avoir une femme, ils voulaient qu'elle ait les compétences ou d'infirmière ou de médecin. En tout cas, j'avais un vrai challenge parce qu'étant la première, il fallait que ça se passe bien pour que les suivantes viennent sans souci. Et j'avais énormément de choses à apprendre, mais il a fallu au départ que je trouve ma place moi-même. Si ça s'était mal passé dès la première fois, pour le coup, ils auraient eu encore plus de mal à accueillir d'autres femmes. Et puis peut-être le fait aussi que comme j'avais un savoir, une compétence qu'ils n'avaient pas, j'avais une espèce de pouvoir, entre guillemets, même si je ne le mettais pas particulièrement en avant, mais là-dessus, effectivement, je les battais à plate couture puisqu'ils ne savaient pas. J'ai appris et je continue d'apprendre plein de choses. J'ai besoin de donner. Donc je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mes compétences. Si j'avais joué des coudes, ça voulait dire je m'impose, je me montre, c'est moi. Je voulais faire ma place en douceur. En jouant la douceur, c'est comme ça en fin de compte, peut-être que j'ai gagné leur cœur aussi.